Salut à tous, tous les sportifs, tous les cavaliers rêvent de monter sur un podium. Mais pour cela, il leur faut trouver le crack, le cheval capable de les amener jusqu'au plus haut niveau. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le complice de Patrice Delaveau. Son nom, Orient Express HDC, double vice-champion du monde en 2014, c'était à Caen. Allez, allez, vas-y. Hein. Mets le paquet, mon Patrice. Eh bien, on va retracer toute son histoire, l'histoire de ce cheval incroyable. Tout a commencé ici, au Haras de la Giloterie. Nous sommes près de Saint-Lô, en Normandie. Je vous propose de découvrir le naisseur, celui qui a été assez fou pour s'imaginer capable de faire naître un tel crack. Je vous présente la mère d'Orient Express. Le poulain arrive, c'est un petit poulain bien fait, ça correspond à ce que je veux. Manque peut-être un peu de chic. Il est à vendre comme les deux ou trois autres que j'ai. Personne n'en veut parce que c'est un nain. Et puis comme je ne trouvais pas le vendre, ben je l'ai emmené chez mon pote André, grand connaisseur de chevaux. Et puis il l'a regardé une fois dans le rond et il m'a dit « on est dans le bon wagon ». Sans doute parce qu'il s'appelait Orient Express. Et puis l'histoire a commencé. Orient Express en piste. Il était en Ugara de la Giloterie dans le Calvados. Orient Express. So for the A for this style of topwood, followed by a quick star out of Kamchatka. J'aimais bien quand les gens m'appelaient et me disaient dis donc, t'as. Un cheval qui saute un peu. Question 1 de régularité dans double saut haute. Excellent l'année dernière à 5 ans. Hey, joli. Superbe. On comprend mieux la passion folle du naisseur, de l'éleveur d'Orient Express à HDC. On va rejoindre maintenant Patrice Delaveau. Patrice est un immense champion, il a absolument tout gagné. Il a fait aussi, bien sûr, les championnats du monde avec Orient Express à HDC et remporté deux très belles médailles d'argent. On va rencontrer le cavalier pour qu'il nous dise pourquoi Orient Express à HDC est un cheval absolument hors du commun. On y va. La première fois que je suis monté dessus, c'était bien sûr pour l'essayer. C'était en plein mois de janvier, je m'en souviens très très bien. Le cheval était très frais, il était très chaud. Et c'était déjà du sport à l'époque. Là, il fait 5 foulées, l'autre il a fait 6. Il a fait 6 tout à l'heure. Beau virage. Il s'en entre double quand même un tout petit peu. Il peut. Oh 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 oh! Super! Oh, il glisse! S'il est largement en avance, pas plus de la route, on rabat. Allez, 18, allez! Ça sera battu, ça tient gagné! Patrice Delaveau! En route pour un duel d'exploit avec Orient Express! On a fait une carrière ensemble, on est resté peut-être 6 ou 7 ans ensemble. Et bien sûr, on a énormément gagné ensemble, mais on a aussi eu pas mal de défaites. Orient, c'est une star, c'est un crack, mais il avait une façon de fonctionner et je ne pouvais pas lui changer. Au début, j'ai essayé de lui changer beaucoup de choses et j'ai dû moins m'adapter plus à lui. C'est un cheval qui a beaucoup d'énergie, qui n'accepte pas d'être trop commandé. Il faut le laisser un petit peu dans son énergie naturelle. C'est un cheval très électrique. Donc il ne faut pas essayer de l'avoir calme et de faire les choses, il détestait. Il fallait le garder un petit peu dans l'énergie qu'il avait, et dans électrique un petit peu.
Europa, das den großen Preis in Frankreich, Konventionenpreis zu den Labor in diesem Jahr gewann, auf dem Weg ins Stechen. Ein ganz herausragendes Paar. Und sie machen es, jawohl. Quand on sait le mal que l'on a pour arriver à trouver déjà des chevaux capables de faire bien dans ces concours-là, donc remporter des grands prix comme la Bowl ou des médailles au championnat du monde, c'est quelque chose de fantastique. Quand on finit une épreuve sans faute et qu'on regarde le tableau et qu'on voit le numéro 1 clignoter et qu'on est en tête, ça c'est des sensations fantastiques qui sont assez dures à expliquer. Mais sur le moment, je peux vous dire que c'est quand même agréable, c'est quand même sympa. Allez, mets le paquet là, hein. Allez, petit. Allez, Orion. Oui. Orion, vas-y. Ça, Orion, ça. Vas-y. Là-haut. Donne-lui. Là-haut. Donne-lui le sans faute. Oui. 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 Alors, ça, l'enfant. Chapeau. Là, on tient notre champion. Chapeau. Il est chapeau. Là. Merci. Bien joué. Merci à tout le monde. Bien joué, chapeau, Orient chapeau, Express. Chapeau. J'ai eu des offres très, très romanesques sur ce cheval. Notamment à Abu Dhabi, avec un grand carnet de chèques rose d'Arabie Saoudite. On me dit, madame, mettez le prix que vous voulez. Mais je n'avais pas du tout envie de le voir, de le quitter. Et puis Patrice non plus. Et il est toujours parmi nous, non? Non, ces chevaux-là, c'est nos chevaux de légende, comme on dit à la maison. Ils partent pas après avoir fait autant de réalisations avec nous. On les garde. On leur doit ça. Dans une vie d'un cheval, il y a ces différentes périodes. Il y a l'élevage. C'est un truc de formidable. Il y a toute la formation avec l'équipe qu'on a à la maison, il y a toute la réalisation avec un cavalier comme Patrice, mais après, ils n'ont pas fait la moitié de leur vie. Et la moitié de leur vie et l'après, ben, elle est à nous et à nous tout seuls. On les récupère à la maison et on profite d'eux. C'est un cheval qui est à la retraite, Orient, c'est vrai, mais je me l'occupe comme un cheval encore en concours, entre guillemets. Il a encore cette vie, pas vraiment de retraité, qu'on va mettre auprès le matin, qu'on va chercher le soir à 18h, et puis voilà. Là, il travaille encore un petit peu. Bon, évidemment, pas tous les jours. Évidemment, on ne lui demande pas la même chose qu'avant. Ça va être un peu de trotting, un peu de balade, gentiment, de temps en temps. Il fait du prêt la journée. Une vie de retraité 5 étoiles. À l'époque où Orion faisait du sport, on voulait le préserver. Donc, il a eu 2 ou 3 produits. Et vous en avez 2 devant vous, qui sont incroyables. C'est nos 2 filles chéries. Donc, une de 8 ans, une de 9 ans. L'une est vice-championne de France des 6 ans et l'autre est 4e du championnat de France aussi des 7 ans. 2 sur 2, je trouve que c'est pas mal quoi. Et on est vraiment très, très, très heureux des enfants qu'il nous donne, à qui il a donné un tempérament. Vous voyez, elles sont très collantes, hein, mais et elles ont vraiment toujours envie de faire plaisir à leur cavalier, puis elles ont un talent de dingue quoi. Ouais. Si je devais convaincre quelqu'un de nous rejoindre dans la filière, si je devais convaincre des gens à venir soutenir, surtout en vue des JO 2024 qui seront à Paris, je pense que l'ambiance sera encore plus folle que celle de Caen et ils vivront des moments uniques. Je crois que tous ceux qui croient savoir ce qu'est le bonheur ne savent pas ce que c'est tant qu'ils n'ont pas vécu un moment comme celui-ci, donc il faut qu'ils viennent essayer. Bien, allez, monte, continue maintenant. Oh là, continue à monter dedans. Continue à monter dedans. Oui. Encore un, Patrice, s'il te plaît. Celui-là, celui-là. Oula, il vient en travers. Très vas-y, long, vas-y. Trop long. Non. Oui. Oh là 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 là. Magnifique cheval. Patrice, formidable, mais magnifique cheval. Bravo. Ouh. Bravo. Ah ouais. Ouais. C'est bon, Patrice, de la Beau. Ah ouais. Magnifique. De la Beau, bravo. Orient Express, un DC, bravo. Bravo, bravo. Merci, cheval. Merci, Patrice. Il naît plusieurs milliers de chevaux par an en France, plusieurs dizaines de milliers à travers le monde, et simplement 3 sont sur un podium de championnat du monde. Ça relativise donc la performance de notre héros du jour, Orient Express HDC. Bonne retraite d'ailleurs à cet étalon. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.